à tous et bienvenue. Donc, si vous ne me connaissez pas, moi c'est Lauriane et on me retrouve sous le pseudo Lo Demoiselle, comme vous avez pu me trouver ici sur YouTube, mais également Instagram et Ravelry. Alors aujourd'hui, je reviens avec un épisode un petit peu spécial parce que je viens vous parler de mes châles. Donc, c'était un épisode qui m'avait été demandé et vous l'attendiez depuis un moment. Je vous avais dit que j'allais le faire, mais voilà, ça a pris du temps, mais voilà, c'est chose faite et on va parler donc de mes châles. Aujourd'hui, j'en ai là. Ils sont préparés juste là. Je n'ai pas sorti tous les châles que j'avais fait. Les premiers châles que j'ai fait, ceux qui sont trop petits, qui n'ont pas bien vieilli. Voilà, tous ceux que vraiment, c'est mes premiers châles que je ne mets plus du tout, qui ne sont plus portables, que voilà. Ben, ceux-là, je ne les ai pas sortis. Je ne vous les montrerai pas aujourd'hui. J'en ai parlé rapidement dans un épisode de vlog où je vous avais ressorti tous mes vieux tricots, justement où je vous montrais tous mes premiers tricots, les erreurs qu'il y avait pu avoir, tout ça. Bon, bref, j'en ai parlé avec vous dans un épisode et je vous le mets là si jamais ça vous intéresse d'aller le regarder. Alors, avant d'attaquer la pile de châles qui nous attend, je vais commencer par ce que je porte. Donc aujourd'hui, je porte le châle, non. Je porte le pull Madoka de Marianne Munier que j'ai tricoté donc en puna de drops. Voilà. Et j'ai mon, comment on appelle ça, le pupu crunchy de Sari Norling que j'ai tricoté en Tilia de Phil Colana et en Arweta de Phil Colana, le coloris écureuil, j'ai plus le chiffre exact en tête, mais voilà. J'ai pris des toutes petites notes sur quelques châles, les plus vieux que je vais vous présenter, sauf vraiment, bah voilà, j'avais oublié même le nom du patron, tout ça. Moi, j'ai vraiment pris que quelques notes. Je vais quasiment tout faire de mémoire, de vous dire tout ce qu'il y a sur les châles de mémoire. Par contre, je vous invite à aller regarder en dessous de cette vidéo. Je vous mettrai tous les liens vers mes projets Ravelry. Comme ça, vous retrouverez le lien du patron. Vous y trouverez donc sur Ravelry le patron, la laine utilisée, le nom des coloris, la taille d'aiguille utilisée. Voilà, tout. Vous saurez tout sur la laine, tout ça. Vous aurez tout en dessous dans mes liens Ravelry. Je vous mets tout en dessous, pas d'inquiétude. Donc ça y est, c'est parti. On va commencer tout de suite. Alors, celui-là, donc c'est le plus vieux que je vais vous présenter. Celui-ci, je l'ai tricoté en 2016. Alors, je ne sais même plus l'avant de l'arrière. Je l'ai commencé par ici. Hop, hop. Alors, c'est un châle qu'on construit qui se commence par cette pointe-là. Et donc, de ce que je vois, c'est du point mousse et juste quelques rangs de jetés. Et au fur et à mesure, il s'agrandit. Et pour avoir cette fameuse forme asymétrique. Et là, vous voyez, on part a priori, je ne sais plus du tout, hein, je ne peux plus vous dire du tout comment on le tricote, mais de ce que je vois là, on part dans l'autre sens. Enfin bref, vous voyez, il y a plusieurs motifs. Ouais, c'est assez graphique avec les rangs de jetés et on finit par une zone avec beaucoup de jetés et avec une petite partie, une petite bordure là en point mousse. Donc ça, je me souviens très bien de l'avoir acheté. Je pense que c'est mon chéri qui m'avait, première fois qu'il m'a acheté de la laine. C'est de la Lily Neige, c'était un gradient. Donc c'est un gradient, vous voyez, en fait c'est une seule pelote qui a un dégradé. Je ne sais plus du tout la quantité de laine qu'il peut y avoir pour cette pelote là. Ça je sais plus, faudra regarder sur mon Ravelry. Mais voilà, ça se tricote en une seule fois et puis on découvre au fur et à mesure le dégradé de laine. Donc moi je l'avais acheté dans une boutique à Bailleul qui est désormais fermée. Et c'était la vendeuse qui m'avait donc conseillé ce modèle là. Donc c'est le modèle Helios de Mélina Ami. Voilà, et quand il se passe. Donc il est vraiment petit, c'est vraiment tout petit, tout fin. C'est bien pour les voilà, l'été. En fait, en été, c'est parfait. Après, il faut savoir qu'à l'époque, moi je tricote serré et qu'à ce moment-là, je n'y prêtais pas attention. Je tricotais serré et donc j'ai dû le tricoter avec la taille d'aiguille recommandée dans le patron sans faire d'échantillon. Et donc il est plus petit que ce qui a été que ce qui doit être en réalité si on suit bien, si on suit bien l'échantillon, tout ça, et qu'on connaît bien sa tension. D'ailleurs, de toute façon, il me reste, j'ai un petit reste de cette couleur-là que j'utilise quand je dois mettre mes mailles en attente de mes manches. Tout ça, je sais que j'utilise encore cette laine-là. Il m'avait resté pas mal de la couleur la plus claire. Donc voilà.
C'était le premier châle que je vous présente. Alors, c'est un châle que je ne porte plus. Bon, j'y tiens beaucoup parce que je sais que la laine avait coûté quand même assez cher. Mais c'est voilà, c'est vrai qu'il est trop petit. Vous verrez, hein, plus on va avancer, plus mes châles seront grands. Donc, en fait, il est exposé sur mon petit mannequin qui se trouve là, que vous pouvez voir parfois dans certains épisodes de vlog. Je l'ai appelée Mathilda. Mon mannequin s'appelle Mathilda et c'est elle qui le porte et il reste là. So, voilà, ça, je me rappelle très bien du moment où j'ai acheté la laine. C'est la première écheveau. Ma course est en pelote, c'était un cake. Premier cake que mon chéri m'a offert, tout ça. Donc j'y tiens énormément, même si je le porte pas beaucoup. Dans la même année, en 2016, j'ai tricoté également ce châle-là. Donc là, c'est le patron Princess Shawl de Lil Weasel. Donc si vous ne connaissez pas, Lil Weasel, c'est une mercerie parisienne. Et le patron, il est disponible gratuitement sur leur page Ravelry. Vous retrouverez le patron gratuitement. Et de mémoire, je l'ai tricoté avec des laines Malabrigo Soc. Donc que j'ai même dû, je pense, commander chez eux d'ailleurs, je ne sais plus. Donc je vous montre de plus près le coloris. Voilà, vraiment très nuancé avec énormément de couleurs. Puis on a hop, dans le bas de la laine du châle, on a voilà des petites bandes noires que j'ai choisi de faire en noir. C'était avec un reste. Ah bah je l'ai pas ce châle-là. J'aurais dû vous le montrer. Ah, faudrait que j'aille le chercher. J'irai le chercher après. C'est vrai que c'est un reste d'un châle que j'ai, donc autant que je vous le montre. Donc là, ce châle-là, donc c'est un châle gratuit. Il se commence par ici. On fait voilà, on fait des augmentations, on fait des rangs avec des jetés. Je pense qu'il y a des augmentations à chaque rang de toute façon. Oh bah j'ai. Il commence à se faire vieux. Celui-là, je l'ai beaucoup porté. Et là, par exemple, en vous parlant, je viens de voir que là, il est troué. Voilà, à force, la laine, elle s'est fragilisée et elle s'est cassée à cet endroit-là. Donc je vais aller réparer. Ah bah faut. Ah oui, bah oui, je l'ai déjà réparé une fois. C'est pas la première fois qu'il se casse celui-là. Ouais, c'est vrai que j'avais déjà dû le réparer ici. Voyez, là. Tant bien que mal, j'avais eu un gros trou là et je l'avais réparé. Donc quand je le parle, ça se voit pas, mais là je vois que sur ma bordure, le fil, vraiment, il s'est. Voilà, ça commence à s'user, à vieillir les tricots. Donc celui-là, il date également de 2016. Alors je vous disais, donc c'est des rangs avec des jetés et puis on a ce rang-là que j'aime beaucoup. C'est ce qui faisait, je trouve, la particularité du châle. Alors, je sais pas si je vais réussir à vous montrer. Alors, hop, si je me mets là, ah, peut-être dans ce sens-là, vous allez le voir. Alors que je me mette bien là. Je sais pas si vous voyez, mais en fait c'est en relief cette partie-là. Hop. On passe dessus, ça fait comme une bosse, c'est un relief. Alors je ne sais plus du tout comment on le faisait, hein, mais de mon souvenir, c'était pas très compliqué à faire. Puis voilà, j'aimais beaucoup le rendu, ça donnait du relief au châle. Et là, on a comme des sortes de petites fleurs en dessous. On dirait qu'il y avait eu l'air d'avoir des nappes en plein milieu des fleurs, je sais pas. Ça fait. C'est tout aplati chez moi. Après, voilà, il commence à être. Un petit peu vieux. Et puis on finit avec cette jolie dentelle en bordure et puis des picots sur la fin. Donc voilà, ça fait vraiment un très très beau châle. Moi c'est un modèle que j'ai vraiment beaucoup aimé tricoter, que j'ai beaucoup porté. Ça se tricote donc avec principalement un écheveau. Voilà, j'avais utilisé un reste pour faire les petites lignes en noir. Donc voilà, en gros un seul écheveau, je pense que c'est suffisant pour le faire. Il m'en a fallu deux peut-être, ça me paraît bizarre pour un écheveau. Je vous laisserai regarder sur Ravelry parce que là je pense que je suis en train de dire des bêtises. Peut-être qu'il faut deux écheveaux. Enfin bref, voilà, il se porte comme ça. C'est un châle en demi-lune. Et moi j'ai vu que je l'avais beaucoup, beaucoup porté et j'ai beaucoup aimé. Je le porte plus parce que voilà, j'avais vu qu'il était fragilisé. Donc c'est vrai que je m'étais dit, pour le préserver, portons-le moi. Hop. Ouais, je sais plus maintenant. Je pense pas qu'il y a un seul écheveau, ça me paraît beaucoup. Où est-ce que j'aurais pu rentrer mes fils? Je ne saurais pas vous dire. Mais je pense que ouais, non, un écheveau, ça me paraît beaucoup. Je sais plus. Non, enfin bref, voilà. Vous trouverez de toute façon tous les détails sur Instagram, sur Ravelry. Alors, je suis allée chercher le châle que je vous disais. Donc là,
Le noir que j'avais utilisé pour celui-ci, en fait, c'était un reste de ce châle-là. Donc, comme je l'avais complètement oublié, alors lui, j'ai zéro note. C'est un modèle de Stephen West, le Clockwork, quelque chose comme ça. Vous voyez, donc c'est un châle qui est vraiment très long, très fin, il est peu profond. Ça fait vraiment plus une écharpe qu'un châle. Je l'avais tricoté pour mon chéri, c'était le premier tricot que je lui avais fait. Donc, je l'ai tricoté dans des laines. Pareil, je pense que c'est la Malebrigo Soc. Donc elles sont si. Oui, je suis dans le bon sens. Donc je lui avais pris un vert parce qu'il aime bien le vert. Et puis donc du noir. Et moi ce que j'avais beaucoup aimé bah, dans ce modèle-là, c'était. Voilà, c'est un modèle qui est masculin, bah, aussi bien masculin que féminin. Il va pour les deux. Il va pour tout le monde. Et puis j'aimais voilà, les petites bandes là qu'on pouvait avoir comme ça. J'étais assez curieuse de comment on fait parce que voilà, j'avais. Je ne l'avais jamais fait, mais hein, voilà, jusqu'à maintenant, à ce moment-là, j'ai fait quand même des choses plutôt simples. Et je me demandais comment on faisait. En fait, c'est vraiment tout bidon, c'est juste des mailles glissées. Mais voilà, sur le coup, je me demandais comment on avait fait, on pouvait faire ça. Enfin bref, voilà. Donc c'était un petit châle, voilà, style écharpe, qui de mémoire avait été vraiment très facile à faire. Donc comme c'est un modèle de Stephen West, donc c'est un modèle payant, je pense, disponible en anglais. Je suis pas sûre qu'il soit disponible en français. Ça, je vous laisserai aller vérifier. Et franchement, je ne sais plus. Bon, je pense qu'on doit quand même commencer par monter tout ça. Vous voyez, hein, c'est pas très long parce que je pense que le. Hop, j'ai l'impression d'avoir des pointes. Ouais. On doit, je pense, monter les premiers rangs tout en noir. Et puis après, au final, il n'y a que ça de rangs. Donc, c'est surtout des rangs longs avec beaucoup de mailles. Mais voilà, sur peu de profondeur. Encore une fois, celui-là, j'ai dû le tricoter. Un peu trop serré, je pense. Par contre, je vois que comme il n'a pas été porté, la laine, elle a encore beaucoup plus de moelleux, d'élasticité que celui-là qui maintenant, en fait, ben, la laine, elle est plus du tout élastique, il est tout plat, alors que là, il a encore de... Il est fluide, il est moelleux, il est encore moelleux. Surtout que c'est que du point mousse, donc voilà. Et comme mon chéri ne le porte quasiment pas, c'est le châle qu'on laisse dans sa voiture. Comme ça, si moi, il fait vraiment très froid dehors et que je n'ai pas de châle ou que j'ai un châle mais que j'ai vraiment envie d'avoir plus chaud, bah, je lui emprunte. C'est devenu ça, c'est le châle de la voiture. Donc c'est pour ça que j'y avais pu penser, parce qu'il reste dans la voiture et puis je le porte quand j'en ai besoin. Donc, et lui doit dater de 2016 également. Ça doit être les châles les plus vieux que j'ai à vous présenter aujourd'hui. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, si je regarde rapidement avec mes notes. 2016, hop, 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 2017. Ah, celui-là. Alors, celui-là, j'en étais vraiment très très fière quand je l'avais fait. Ah, par contre, dans quel sens il se construit? Je regarde là. Ça doit être dans ce sens-là. Enfin bref, c'est pas grave de toute façon. Donc c'est le Cardinia Wrap d'Amba O'Brien. Et voilà, il est tellement long qu'il ne passe pas du tout à l'écran. Alors c'est un châle qui se commence. Ah. Autant je vous disais, en fait les rangs ils étaient longs sur le Stephen West, mais c'est rien comparé à cela. Parce que voilà, vraiment on monte. Voilà. Je sais même pas si je vais avoir assez. Non, ouais. Là, vous voyez, ça c'est le rang de montage, en fait, le premier rang qu'on doit faire. Donc on commence avec une bordure qui est toute en jeté. Et en fait, ils sont penchés d'un côté. Et puis arrivé au centre, hop, hop, hop. Là, vous voyez, là on a le centre. Et puis après, de l'autre côté, ils sont inclinés dans l'autre sens. Donc voilà, on a d'abord cette petite bordure-là. Après, on a tout celle-ci qui se fait donc en jersey avec des trous-trous partout, des jetés. En quinconce, hein, vous voyez. Et après, on reprend la même série de jetés inclinés dans un sens et de l'autre, et puis après inversement. Et on revient faire la même chose du jersey avec quelques jetés, et ensuite on repart sur la même bordure. Alors là, je peux vous dire que c'est long. C'est long à faire. C'est des rangs très très longs. Je ne l'ai pas mesuré depuis très longtemps. Je me souviens plus du tout de la longueur. Je sais que j'avais fait des erreurs dans cette partie-là, qu'il avait fallu rattraper tout ça, moi. Voilà, c'était un tricot, c'était pas le plus fun que j'ai eu à tricoter, mais j'avais craqué sur le modèle, j'aimais beaucoup. C'était mes premières laines Life in the Long Grass.
J'avais adoré ce coloris-là, j'étais complètement fan. Je les avais achetés sur internet, donc j'avais eu du mal à trouver des couleurs. Voilà, sur internet, c'est toujours difficile de trouver des combos, donc je trouve que bon, ça va très bien ensemble, mais c'est finalement pas mes couleurs en fait. Donc c'est pour ça qu'au final, je ne le porte pas énormément. Je le porte une fois de temps en temps parce que je me dis, ah bah oui, il est beau, je l'aime bien, mais c'est pas celui vers lequel je me tourne en premier parce que ce ne sont pas mes couleurs. Donc voilà, donc ça fait vraiment une écharpe. Donc, je peux vraiment. Hop, et puis là, je viens coincer les pointes derrière. Et alors, celle-là, ça fait une grosse écharpe bien chaude autour du cou. Ou sinon, on peut juste laisser tomber voilà, les devants sur. Les pointes sur le devant. Hop, je vous montre hein, la longueur. Ça descend vraiment très très bas. Et c'est le genre donc, de châle, de wrap, hein, comme ils disent. Qu'on peut donc parfaitement porter l'été comme ça sur les épaules. Moi je trouve ça aussi vraiment très joli et très élégant. Donc voilà, celui-là, ouais, ça avait été vraiment un sacré morceau à tricoter, quoi. Là, Ah oui, puis vous voyez là, on a ce côté-là où ça augmente en fait. Hop, et puis après, ça réduit. Ben là, je pourrais même plus du tout vous dire le nombre de mailles qu'on a, mais au centre, ça doit être catastrophique. Je pense que ça doit être le projet avec le plus de mailles que j'ai dû faire. J'ai rien dû faire d'aussi long depuis. On fait une fois et on fait pas deux. Hein. Mais voilà, ça fait après un bel ouvrage, une très grande écharpe, une très très belle écharpe. Mais j'avoue que ouais, avoir autant de mailles sur ces aiguilles, ça fait quand même. C'est quand même long à tricoter. Mais je crois que c'est un modèle qui a quand même été pas mal tricoté. Ça doit être un modèle qui doit être en anglais. Pas sûr qu'il soit en français. Je ne me souviens plus du tout depuis le temps. Donc je vous ai dit, je sais que je vous ai dit, c'est en 2017 que je l'ai tricoté. Ça va faire bientôt 4 ans. Alors je vais essayer de les replier à chaque fois parce que je les avais rangés. Pour ceux qui me suivent, en fait, parce que maintenant mes châles étaient hop, mis en vrac dans un panier. Là, voilà, il y en a quand même plusieurs que je plie bien dans une étagère à côté. Il y en a que je plie et que je mets dans mon panier. J'essaie de, voilà, quand même de mieux les plier. Ça fait plus joli, plus ordonné et ça fait plus de place pour tricoter des nouveaux châles. Ah, faut que c'est pas toujours facile à tricoter. Alors c'est ça, c'est pas toujours facile à plier des châles parfois avec leur forme un peu étrange. C'est pas forcément évident. Hop. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai encore qui est assez ancien? Ah, celui-là. Alors, celui-là, c'est de l'autre côté. Alors, c'est le tiara de Lily comme tout, donc aussi jolie partie. Bon, voilà. Alors, voilà, je vais vous montrer tout de suite. Voilà ce que je n'aime pas du tout sur ce châle. C'est pénible, 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 pénible. Alors, c'est un châle. Je ne sais plus trop pourquoi il est sorti. Bon, je sais que ça a un rapport avec Harry Potter parce que donc c'est la laine Squirrel Yarns. Ça, c'est le coloris qui avait été fait pour Gryffondor qui s'appelle. Oh, j'écris comme un cochon. La plume de phénix du brave. Donc, c'est dans sa base merisier. Donc, c'est 50% laine, 50% soie. C'est en déca. Et je sais qu'en fait, moi je l'avais acheté au fil de la manche. On pouvait acheter des. Comment on appelle ça? En fait, on a acheté 2 échevaux et demi. Exactement la quantité qu'il fallait pour faire le châle. Bon, moi, il me reste un reste parce que, comme toujours, je tricote serré. Donc, j'avais pris la bonne taille d'aiguille alors qu'il n'aurait pas fallu. Mais bon. Voilà. Et donc, c'est. Alors, je me souviens même plus. Voilà, vous voyez, c'est un châle qui est vraiment tout en point mousse. Donc, si je ne me trompe pas, on doit commencer de ce côté-là. On vient faire un châle, voilà, un typique triangulaire asymétrique. Et ensuite, et c'était là le plus long, c'est qu'on vient. Je ne sais pas dans quel sens. Peut-être dans ce sens-là, je pense. Ouais. On vient ici relever les mailles pour faire d'abord ça. Là, moi, je ne sais même plus vraiment comment on faisait. On fait ça. Bref, vous voyez, en fait, il y a une bande, on fait un trou, donc avec là, il y a les deux, hop, on fait, refait ensemble, donc je vois qu'il y a plein de fils rentrés, parce qu'à chaque fois, il fallait couper son fil pour faire les grands trous comme ça, là. Et ensuite, on vient tricoter, mais cette longue bande à part, qui est vraiment très très longue à faire, hein, parce que bah, c'est sur quelques mailles seulement, hein, ça peut être 3 ou 4 mailles, pas plus, mais voilà, il faut le faire tout le long du châle, et ensuite, on vient la passer dans chaque
anneau qu'on a créé avant. Et voilà, ça fait, ça rend super bien. Elle est entrelacée là-dedans, ça rend très très bien. Mais alors, soit j'ai fait une bande trop longue, ou soit je ne sais pas. Moi, la mienne, en fait, à chaque fois, ça vient s'accrocher quelque part. Comme là, vous avez vu au début, ça faisait un grand U et c'est pas joli. Qu'à chaque fois, il faut toujours essayer de bien la remettre. Et ça fait plein de fois que je me dis, en fait, il me reste de la laine. Il me semble qu'il me reste un petit peu de cette laine-là. Et faudrait juste que j'aie. En fait, coudre ici à chaque les deux parties ensemble là pour plus que ça bouge et que je sois tranquille. Il faudrait que je fasse ça, il faudrait que je retrouve mon reste et puis que je le fasse. Parce que franchement, le fait que voilà, quand on va le porter, bah, si on l'accroche d'un côté, bah voilà, ça va faire comme ça par exemple et d'un coup c'est bah, c'est moins joli et donc c'est pénible. Par contre, il avait la particularité de ce fait là, c'est que si on place bien, on pouvait s'amuser à passer une pointe dans les petits anneaux et je trouve ça vraiment très chouette hein, comme idée, mais voilà, il faudrait fixer la bande qui passe à travers les anneaux, je trouve. Donc voilà, et après voilà, c'est un châle qui est pas immense, mais qui est en déca, donc qui est chaud, mais qui a une couleur vive, donc qui pour moi et va plus pour le printemps, l'été. Donc c'est pour ça aussi que j'ai un peu de mal à le porter. Mais en tout cas, voilà, la laine elle est vraiment très très agréable, la couleur est très jolie, hein. Mais j'avoue que oui, voilà, vous voyez. Si on tire dessus, ben voilà, ça pendouille un peu, donc c'est un peu pénible à la longue, quoi. Dès la même façon, dès le départ, je m'en suis rendu compte et j'ai trouvé ça. Voilà, on porte une fois, deux fois et on comprend que c'est pénible. Donc voilà, je pense que ça doit être ma. Je sais pas si c'est parce que j'avais tricoté une trop longue bande, je sais plus. Enfin bref, voilà, c'est un modèle que j'ai tricoté donc en 2017. Hop, hop, hop. Je vais essayer de bien le replier. Hop là. Voilà, le modèle Tiara de Lily comme tout, Julie Party. Alors, qu'est-ce que j'avais mis dans mes petites notes? Ah, j'ai tricoté en 2018. Autant pour moi, je vous ai dit 2017, mais non, j'ai tricoté en 2018. Qu'est-ce que j'ai dû tricoter en 2018 aussi? Ouais, celui-là. Il est très connu hein, celui-là. Alors là, je vais vous montrer le célèbre Goop Vise de Nadia Crétin-Léchène. Plus besoin, je pense, de le présenter. Il est très très connu ce châle-là. Donc, c'est un châle. Donc, ça, c'est de la Malabry. Non, c'est de la Madeline Tosh. C'est le coloris Yoko. Et je suis mais complètement fan de cette couleur. Je l'adore. Et je l'ai associé à la Féfil au nez moutarde. Et je trouve que voilà, ils vont vraiment super bien ensemble. Vraiment très très beau. Donc c'est un châle qu'on commence par ici. Vous voyez, on a quelques rangs avec des jetés. Et en fait, il est asymétrique puisque le départ, il est là. Et d'un côté, on a une pointe comme ceci. Et de l'autre, on a une longue pointe comme là. Je me rappelle que je me faisais toute une montagne de ce châle parce qu'il a c'est des rangs raccourcis pour faire ces jolies insertions là de couleurs que je trouve vraiment mais magnifiques. Et en fait c'est super simple à faire et c'est hyper motivant parce que voilà vous tricotez sur des petites sections en fait, bon, à part les dernières où c'est vraiment toute la taille du châle, mais en fait voilà c'est hyper motivant de voir le dessin se former. De faire les rangs raccourcis, ça va vite. C'est vraiment un très très beau modèle que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Aussi bien pour sa forme que le motif, que les couleurs. J'en suis mais complètement fan. Je le porte énormément. Le mien, il me paraît pas immense. Je vois certains qui l'ont fait, qui est très grand. Mais voilà, moi je tricote serré. Je pense que ça reste toujours le même souci de ce moment-là. Hein. Et donc voilà comment moi je le porte. Alors je le porte aussi bien printemps, automne, hiver, même en été le soir, s'il fait vraiment frais chez nous, bah, je vais le porter. Je l'aime beaucoup, beaucoup. C'est vraiment un châle que j'ai beaucoup porté. Et donc voilà comment je le mets. Hop, voilà comment il tombe. C'est un châle, voilà, forme demi-lune. Et c'est plus tellement les châles que je tricote, mais pourtant, c'est plus la forme que je tricote le plus maintenant. Mais pourtant, celui-là, je le porte énormément. C'est vraiment l'un de mes coups de cœur. Et donc, il est disponible en français et en anglais. Et il est vraiment accessible aux débutants. Il ne faut pas avoir peur. Il est bien expliqué et vraiment très agréable à faire. Et j'aime beaucoup cette façon. Depuis le jour où j'ai tricoté ce coloris-là, là, je m'étais dit, oh, un jour, je ferai autre chose avec.
Mais bon, il y a tellement plein de belles laines que je n'ai jamais refait avec cette laine. Enfin, c'est pas grave, c'est pas là le sujet. Hop. Voilà. On va les plier, hein. Ça va faire une belle colonne. Donc celui-là, il a été fait en 2018. Et ensuite, alors. J'ai pas dû faire beaucoup de châles en 2018. Bah, de toute façon, je ne tricotais pas autant. En fait, c'est depuis fin 2018 que vraiment je tricote énormément. Donc c'est depuis fin 2018 maintenant que. Après, j'ai eu beaucoup de châles et beaucoup de tout le reste. Donc ensuite, dans les plus vieux, ça doit être celui-là. Donc il s'agit du Pink Lemonade. Enfin, limonade rose, quoi. Donc encore un modèle de Nadia Crétin-Léchaine. Je vous le montre dans le bon sens. Ouais. Alors, voilà la bête. Il est énorme. Il est très très grand. Donc c'est un châle qui se tricote avec trois écheveaux. Et moi je l'ai fait la copie conforme que Nadia elle avait fait. Voilà. Donc ça, Nadia l'a tricoté dans des laines qui wool baby wool. Oui, c'est ça. Donc ce sont des laines. C'est une teinturière belge qui teint ces laines-là. Et j'avais adoré son modèle. Et j'ai acheté le kit à l'identique pour faire mon modèle. J'ai beaucoup aimé ses couleurs. Donc c'est un châle qui se commence par ici. On fait du point mousse, des rayures. Voilà, des rayures au point mousse. Donc ça va tout seul. Même si voilà, les rangs sont de plus en plus longs, ça reste du point mousse. Ici, on a un deuxième triangle où là, c'est une couleur unie avec des rangs raccourcis pour avoir cet effet plongeant, on va dire. Et là, on a la même chose, un troisième triangle de points mousse unis et pareil en rang raccourci pour avoir cet effet-là. Et on vient après, ici, faire toute la bordure de la troisième couleur. Vraiment une très très jolie bordure qui mélange donc torsade, dentelle et picot pour la bordure. Voilà, et on le fait là tout le long du châle et on vient le faire répéter le motif de dentelle ici en bas. Donc voilà, ça donne vraiment un châle très grand, mais donc très couvrant. Et moi je l'adore. Je l'adore énormément celui-là. Et voilà quand je le porte ce que ça donne. Hop, je le monte peut-être. Alors. Et voilà, donc là on a vraiment une grande pointe, ici on a une plus petite pointe hein, puisqu'il est asymétrique. Et voilà comment il se met quand on porte. Donc on voit voilà bien la dentelle devant et c'est ce que j'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup et puis je l'aime beaucoup par ses couleurs vives quoi, c'est plein de peps. Voilà. Alors c'est un châle que je porte beaucoup en été, que je mets beaucoup pour le soir. Alors je le mets beaucoup au printemps et l'été quand il fait frais le soir. Parce que voilà, avec ces couleurs voilà, le jaune qui claque, là, moi je trouve ça parfait pour l'été. Et au printemps, je le porte beaucoup également. Et donc je l'ai fait en quelle année? J'ai dû le faire en 2019 et je vois la laine, elle est encore hyper bien, quoi. Malgré que je le porte quand même beaucoup et la laine, elle a vraiment pas bougé. Regardez, c'est vraiment nickel au niveau de la laine, hein. N'a vraiment rien à redire. Et c'est vraiment un très très bon modèle. Il n'est pas compliqué. Il est très agréable à tricoter. Et ça avait. Voilà, c'est un modèle que j'aime beaucoup. De toute façon, j'aime énormément le travail de Nadia pour ses châles. Je trouve que voilà, c'est toujours facile à faire. Toujours agréable à faire. Et un rendu à chaque fois au top. Je ne peux que vous conseiller les châles de Nadia. Franchement, je suis fan de son travail. Alors après, dans les plus vieux. Bah, de toute façon, on arrive dans tous ceux qui ont été faits en 2019 ou 2020. On va finir par là. Celui-là, il a été fait en 2020. Oui, il a été fait en mai 2020. C'est le modèle Alex Alejandra de Rory Locatelli. J'avais craqué sur ce modèle pour ce motif-là en mosaïque en bas. Je n'avais jamais fait de mosaïque, donc je voulais tester. Donc il se commence par ici, c'est un châle en demi-lune, donc on fait tout au point mousse, voilà, pour passer d'une couleur à une autre, on fait quelques rayures avec la troisième couleur, et puis on a la fameuse bordure en mosaïque qui est très facile à faire, très agréable, et puis on lui fait plein de petites, des petits pompons là pour faire une sorte de frange, et voilà comment il se porte. Je l'ai tricoté en Sky de Ontrops. Il y a une laine vraiment très douce, très légère. Elle est vraiment agréable, mais elle a un effet. Et je trouve que
Elle a vite perdu son gonflant. Ça donne je trouve un tricot assez plat en fait, à force d'être porté ou même d'être juste plié. Ben, à la longue, je trouve que la laine, elle a perdu son gonflant, mais elle est vraiment d'une douceur et d'une légèreté incroyable. Et voilà comment moi je le porte. Bon, de toute façon, je m'embête jamais pour mes châles. Hein. Enfin, quand je les porte. Si, bah, voilà, ça c'est un châle que je porte là plus en hiver qu'autre chose. Surtout finalement, donc comme je le mets sous mon manteau, bah, voilà, c'est surtout le but d'avoir chaud à mon cou. Donc je l'enroule autour de mon cou, je mets mon manteau au-dessus, donc je m'en fiche qu'il soit mal mis. Mais voilà globalement comment je le porte. Non mais j'avoue que là, le coup des petits trucs, c'est pas forcément pratique parce que ça se coince dans la fermeture éclair. Et c'est la première fois que je faisais ça sur un châle et je ne le referai plus en fait parce que je trouve ça plus pénible qu'autre chose. Et voilà, et c'était un modèle vraiment simple à faire, très agréable à tricoter. Et la mosaïque, c'était vraiment très très chouette à faire. C'est pas du jacquard, hein. Quand on fait un rang, on fait un rang d'une couleur et puis le deuxième rang, on fait de l'autre couleur. Mais c'est avec un jeu de mailles glissées, on arrive à créer des jolis motifs vraiment sympathiques. J'aimerais beaucoup refaire un modèle avec de la mosaïque. J'avais bien aimé la technique. C'est simple et puis voilà, ça donne un bel effet. Hop. Puis là, je vais vous montrer la scarf. Je sais pas, vous voyez pas bien, mais en fait, elle fait tout un effet tout poilu qui parfois peut faire un peu vieille, voilà, laine usée, je trouve. Je suis pas forcément convaincue totalement par la sky. C'est pas une laine que je réutiliserai. Elle est très douce tout ça, elle a été très bien, mais. Voilà, c'est pas ce que j'ai préféré le plus. En 2020 aussi, j'ai tricoté ce châle-là. C'est mon confi châle. Il est tout petit. Donc c'est le Réna de je ne sais plus qui. De toute façon, je vous mettrai le nom. Je l'ai tricoté. Il se tricote avec un seul écheveau, mais là pareil, encore une fois, je l'ai tricoté avec des aiguilles trop petites. Et donc ça fait que je me retrouve avec un petit châle. Mais voilà, je l'ai tricoté pendant le premier confinement qu'on avait vécu en 2020 avec des tricopines. Voilà, c'était notre petit châle qu'on a tricoté ensemble, ensemble, mais chacune chez soi. Et voilà, il marque cette période-là. Donc je l'ai très peu porté. C'est plus voilà, quelque chose que je vais porter en été parce que pour ses couleurs vraiment acidulées. Mais de toute façon, je sais plus. C'est plus la matière de la laine, mais je le trouve trop sec et donc pas forcément très agréable à porter. Et puis je trouve la laine fort rigide en fait. Elle est pas. Voilà, je sais que c'est la Jawal Magic dégradée, mais franchement je vous la recommande pas. Moi je la trouve sèche, pas agréable à porter. Et normalement il y a du nylon, donc ça aurait été bien pour faire des chaussettes, mais quand je vois la taille là sur un châle des rayures. Bah en fait, si vous faites ça sur des chaussettes, vous allez avoir des. Ça va être des chaussettes color block et non des chaussettes auto-rayantes. Non, 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 ça sera plus color block que rayure. Donc, moi, je ne conseille pas cette laine. Alors, ensuite, je vous les fais pas vraiment dans l'ordre hein, parce que là, je commence à avoir perdu. Ceux qui sont faits en 2000. Ah non, je les fais en 2020, 2020, 2020. Bon, bah, je les ai tous faits en 2020 maintenant. Voilà, comme je vous disais, hein, j'ai surtout commencé à beaucoup tricoter à partir de fin 2018. Et a priori, en 2020, j'ai tricoté beaucoup de châles. Alors, l'envers de l'endroit. Donc là, on arrive dans des châles que je vous ai déjà présentés dans mon bilan 2020. Donc si vous l'avez déjà vu, vous allez revoir la même chose. Donc là, on a le Vortex Shawl de Charlotte Bory. C'est mon premier projet. Non, j'avais fait un châle. Mon premier gros projet avec quasiment que de la brioche, on va dire ça comme ça. Donc ça que se commence par une pointe, d'abord en brioche unicolore, ce qui permet vraiment d'apprendre, je trouve, le geste, voilà, d'apprendre la technique de la brioche. Il y a des augmentations dedans. Et ensuite, on vient intégrer une deuxième couleur. Donc la couleur de. Il y a une couleur. On intègre les deux couleurs. Comment on fait? Je ne sais plus, mais en fait au final là on a deux couleurs. Ce ne sont pas les mêmes, mais alors, les miennes elles sont très proches, très similaires, donc ça va peut-être pas se voir. Donc ici on a deux couleurs en fait sur ce côté-là. Et puis on reprend donc notre première couleur pour faire ce grand losange
On prend un mousse et puis ensuite on vient faire donc la même chose mais en diminuant cette fois-ci. Donc là pareil, brioche de couleur. Je vais peut-être vous montrer de plus près. Donc là on a une couleur vraiment beige avec des speckles. Et là c'est une couleur un peu plus qui tire un peu plus sur le jaune, bronze, avec des speckles également. Et puis on vient finir avec la pointe unicolore comme de l'autre côté. Donc ça donne un châle aussi avec une forme un peu particulière comme le wrap au final. Voilà, très long, en long, je sais même pas comment vous dire ça. Voilà, très long avec deux pointes. C'est un châle hop, qui pour 3 échevaux finalement il n'est pas si immense que ça, mais qui a énormément de volume et de moelleux dû à la brioche. Et c'est vrai que j'avais eu quand même trois jolis restes à la fin de ce châle-là. Et voilà, je le porte comme ça. Vraiment, c'est le gros châle doudou qui tient chaud ici. Je le porte énormément l'hiver parce que c'est mes couleurs et que le côté moelleux de la brioche, j'aime énormément. Quoique, alors cette année, je l'ai lavé avant de le remettre et je l'ai un peu trop étiré. Donc j'ai un peu trop étiré sur la brioche et je regrette un peu. Qu'à l'avenir, les châles en brioche, je leur donnerai un coup de... Je sais qu'on peut faire ça, donner un coup de vapeur pour ne pas, voilà, pour pas l'étirer ou autre, pour juste lui redonner un petit coup de frais. Mais je ne le relaverai plus comme là je viens de faire parce que celui-là je l'ai lavé et il a perdu un petit peu de son moelleux, ce qui est quand même dommage. Mais voilà, je l'aime beaucoup. Je l'ai tricoté dans des laines. Ça me revient plus. Madintosh, parce que ça c'est Glacis Pécan. Et il y en a une qui s'appelle Berlin et l'autre je ne sais plus. Mais comme toujours, vous avez tout sur Ravelry. Je vous mets le lien en dessous. Voilà. On va pouvoir passer au châle suivant. Hop. Je continue à bien les plier. Hein. Tant qu'à faire. Autant le faire tout de suite et pas faire une montagne de, de tricots de châle à côté de moi. Ça serait pas mal. Hop. Et je le pose. Vous voyez, quand je vous dis par exemple, là on a 3 échevaux, mais avec le moelleux de la brioche, on a ça d'épaisseur, alors que là il y a 3 échevaux également tricotés et il est bien plus fin en épaisseur, quoi. Ça rend pas du tout pareil. La brioche est beaucoup plus volumineuse. Alors, pas sûr, je sais plus trop dans quel ordre j'ai essayé de tricoter les derniers, mais bon, pourtant c'est les plus récents. Ensuite, nous avons ce châle-là. Alors là, voilà, ça doit être mon châle le plus extravagant que j'ai, je pense. Vous aurez reconnu, c'est du Stephen West. Hein, il n'y a que lui pour nous faire des choses pareilles. Donc moi, je reste toujours dans mon idée que j'ai une magnifique aile de papillon. Je suis complètement fan de ce modèle-là. J'ai adoré le tricoter. C'est du Stephen West, on se laisse porter, ça va tout seul, c'est super chouette, il a des idées mais vraiment incroyables. En bref, je pense que de toute façon tout le monde le dit, il a des idées comme personne et il a des façons de construire comme personne et c'est vraiment ça que j'aime chez lui. Donc c'est un châle qui se commence par ici, qui se commence là. Et on vient faire d'abord cette partie-là en rayures, vous voyez que donc, chez moi en beige et en aubergine. Donc là, avec les jolis effets comme ça, je crois que c'était déjà comme ça au départ. Je pense qu'on l'a dès le début, le fait que ça ondule ici. Donc on vient faire ça. Donc plus on avance, plus les rangs ils sont longs. Mais c'est pas non plus excessivement long. Sur cette partie-là, c'est pas ce qui est les rangs là sont un petit peu longs, mais franchement, ça se fait très facilement. Et on vient ici reprendre les mailles. Une technique, hein, certaines techniques, je n'aurais pu vous dire. Et on a ici une bordure avec une torsade et on vient en fait reprendre toutes les mailles ici de notre châle pour faire cette magnifique bordure. Donc il y a des torsades tout le long. Et ensuite, là par contre, ça commence à être plus long parce qu'on vient. Alors il y a. Oui, je reviendrai après dessus. On vient relever toutes les mailles là pour faire la longue bordure en rose où je suis. Là. Donc là, on vient relever toutes les mailles. On avait un I-cord. Voilà, c'est vrai qu'on a un I-cord. On vient récupérer les mailles dans l'I-cord. Ça fait une finition, mais alors hyper propre. Hein. Franchement, c'est nickel, magnifique. Hop. Ça fait vraiment quelque chose de très beau et très propre. Donc on vient relever les mailles et on fait ces rangs là avec des sections de jetés. Alors je monte. Hop. Vous voyez. Et alors là, les rangs, ils deviennent mais vraiment de plus en plus longs. Ils sont vraiment très très longs.
Ça devient très long. Après, dans mon souvenir, il y avait plusieurs options. Il y avait plusieurs possibilités. On pouvait s'arrêter plus tôt pour avoir moins de mailles. Et il me semble, hein, si mes souvenirs sont bons, on a quand même voilà, plusieurs options. Comme on a également plusieurs options à la fin pour savoir quel type de bordure on veut faire. Et pour ça, en fait, c'est assez bien précis parce qu'il nous dit si vous avez utilisé tant de grammes pour cette section-là, ben, vous pourrez faire ça. Si vous avez utilisé plus que ce qui est préconisé, bien non, vous n'aurez pas assez pour faire la bordure. C'est vraiment vachement bien précis. J'avais trouvé ça vraiment chouette. Donc moi, je suis venue finir avec une bordure en aubergine parce qu'il m'en restait beaucoup et faire ces... Alors que je vous mette bien, là, c'est l'espèce de petit regroupement picot. Ça a été très rigolo à faire, c'est super bien expliqué. Il y a une vidéo, il y a un tuto photo pas à pas si je me trompe pas. Donc c'était vraiment chouette à faire, j'avais bien aimé le faire. Une fois qu'on a compris, ça se fait tout seul. J'essaie de vous tirer un peu dessus, vous voyez. Ben, bref, voilà. Et on en a avant ça, on a en fait des petits groupements sur les chaque arrondi. Et en fait, plus on avance et plus ils sont grands, parce que les premiers, vous voyez, ils sont tout petits. Et alors, je ne sais pas si ça va se voir. J'ai manqué de laine, j'ai manqué sur le rose pour finir mon châle. Et en fait, j'ai utilisé une autre laine que j'avais en stock. Alors, je vais vous montrer. Je ne sais même pas si vous allez voir en caméra que là et ce rose-là, bah, c'est pas les mêmes. Mais je crois que ça se voit même pas en fait. Là, à la caméra, vous ne verrez pas, j'ai l'impression. Ça rend super bien. Donc moi j'ai tricoté ce châle alors avec de la R de lune. Non, ça doit être du. Voilà, c'est du mérino super wash. Hein. Donc c'est dans la R de lune, les trois échevaux que j'ai utilisés pour faire ça. C'est un kit, un combo qu'elle vendait, j'avais acheté. Moi, bon, c'est pas un combo pour ce châle-là, mais voilà, elle vendait un lot de trois. Et je suis vraiment fan des couleurs utilisées. Je crois que j'aurais pas fait ce combo-là par moi-même, mais comme il était présenté ainsi. Voilà, je l'ai acheté et je suis vraiment contente des couleurs, elles rendent super bien. Donc c'est vraiment des couleurs solides, il n'y a aucune nuance, elle est vraiment super bien teinte, sa laine, elle est vraiment très belle. Et pour là, les roses, le rose de fin que je n'avais plus assez là pour les derniers picots que je devais faire. Donc là, le rose là, c'est la teinture lurée Oh My Blush, dans son coloris Oh My Blush. Et ça fonctionne très très bien avec mon rose de R de Lune. Ça fait très bien l'affaire. Donc... Sinon, le châle, il a une forme très particulière. Donc, au final, c'est vrai que c'est pas le châle le plus facile à mettre. Alors, il a beau avoir trois échevaux, au niveau là des pointes, on n'est pas très immense, immense. Par contre, on a tout ici, là. Vous voyez, ça fait un grand. Tout est là, en fait. Tout le tissu en laine, il se trouve là. Et là, vraiment deux petites pointes. Donc, je le mets quand. Je le mets surtout au printemps ou à l'automne quand je mets mon t-shirt. J'ai un t-shirt, le Maretimo de Kathleen Hunter, que j'ai donc fait justement dans le coloris de teinture lurée Oh My Blush. Donc ils s'accordent à merveille ensemble, donc je les porte beaucoup ensemble. Voilà, quoique là aujourd'hui ça irait très bien avec mon pull, je trouve, surtout qu'en dessous j'ai un pantalon rose, donc c'est vrai qu'il irait très très bien. Mais dû à sa forme particulière, c'est pas celui que je porte le plus. Mais je le trouve vraiment très très beau et j'ai tellement adoré le tricoter que franchement je ne regrette pas du tout de l'avoir fait. Hop, et on le replie. Non, c'était vraiment un très très chouette modèle. Et je sais qu'il est disponible, donc il est disponible forcément en anglais, mais il est disponible en français également. Mais celui-là, c'était un des plus vieux, je pense. Alors, voici un autre. Encore un autre châle. Hein. Il s'agit du L'Absent de Julie Miette. Donc c'est un châle triangulaire qui se commence par ici. On tricote donc des triangles. Voilà, vous voyez, on a du point du jersey, là on a une ligne de point mousse, on a du jersey, quelques rangs de point mousse, ainsi de suite, tout en ayant cette jolie arête là centrale au milieu. Et on a ce joli motif de dentelle qu'on forme là. Et je trouve ça super beau le centre. Je sais pas, vous allez pas. Les couleurs, elles rendent pas assez bien là. C'est dommage. Ah, comment faire? Là, bon bref. J'aime beaucoup là. Au centre, voilà, c'est bien fait, c'est symétrique, ça rend super bien.
Et ensuite, on a le même motif répété 3 fois de suite et une bordure au pouce. Et là, hop. Ah, ici, vous avez la bonne couleur. Là, vous avez la bonne couleur du châle. Donc, c'est un très grand châle qui se tricote avec deux échos de fingering et la même quantité en mohair. Comment je le porte, moi? Je l'aime énormément. Il est très doux, très chaud. Et vous l'aurez compris, moi, ça, c'est ma couleur que je préfère. Comme je vous avais dit, avec le jaune moutarde et le caramel, c'est vraiment les couleurs que j'adore beaucoup. Donc je le porte énormément en hiver parce qu'il est très très chaud et il va très bien avec mon bonnet Oslo Hat qui est dans les mêmes tons. Donc voilà, je l'ai tricoté avec de la Arco-Iris Yarn, mais dans un coloris, je suis pas sûre qu'il soit reproductible, je sais plus du tout. Non, parce que c'était dans ses kits qu'elle fait à Halloween, les Frankenstein, où c'est des fins de coloris ou des coloris non reproductibles. Et j'avais tricoté avec du mohair de Phil Colana, leur mohair Tilia. Et ça rendait super bien. Et voilà, c'est un châle qui tient chaud, qui est hyper doudou, moi. Très agréable à porter, je le porte énormément en hiver. Voilà, jusqu'à là, je sais que jusqu'au mois de mars, il fait partie de ceux que je porte vraiment très très régulièrement. Et pour 2 échevaux, bah comme il est fait avec du mohair, en fait, il doit se tricoter en 4 ou 4,5, je sais plus je ne sais plus trop. Mais voilà, c'est un châle qui a déjà une très belle ampleur pour finalement pas trop de laine, quoi. Parce que voilà, j'ai acheté 2 échevaux, après les pelotes, il faut pas non plus énormément de pelotes de mohair. Donc ça avait été vraiment un très très beau modèle. Donc vous le trouverez sur Ravelry, il est disponible en français. Et je m'avancerai pas si Julie elle l'a mis en anglais ou pas, je ne sais plus. Désolée Julie si tu passes par là. Mais de toute façon, comme tous les autres patrons, vous trouverez le lien hop, vers le châle que j'ai tricoté donc sur Ravelry où vous trouverez donc le patron et les laines utilisées. Hop là. Et puis voilà, je les plie tous à peu près de la même manière. Hein, ils se sortent. Voilà, finissent tous comme ça. On va rester dans le mohair tant qu'à faire. Hein, tant pis, on ne suit pas du tout l'ordre chronologique. Donc j'ai que 2 châles avec du mohair, celui de Julie et celui donc de Nathalie by Night. Alors celui-là, si vous avez suivi, je pense, tous mes épisodes, je pense que vous en avez marre de l'entendre parler, de m'en entendre parler, mais c'est tout, hein. C'est un châle, donc il a le droit d'être là aussi. Oui, je suis décidément trop petite, hein. Hop. Il est vraiment très très long, c'est un très grand châle, mais c'est que du bonheur ce châle. Alors pour ceux qui ne le sauraient pas, on commence par cette pointe-là. C'est une succession de sections. Voilà, là on a des rayures qui alternent mohair et fingering. Ici on a un petit point vraiment très joli de texture qu'on répétera à chaque fois entre chaque section. Là on a le point croisillon qui se tricote donc en fingering et mohair. Ça rend super bien, c'est vraiment un très très joli point. Là, on a donc la fameuse texture queue en fingering. Là, on a des sortes de côtes, je sais pas comment. Ça fait un peu comme des côtes, ça ressemble, je trouve, ça a aussi le volume et le moelleux, je trouve, de la brioche sans être de la brioche. Ça rend super bien, on le fait que en mohair, c'est vraiment très très chouette. Et donc voilà, on alterne ainsi de suite les sections rayures, texture, croisillon, texture, côte, et voilà, on répète tout ça 3 fois de suite. Et à la fin, on obtient des rangs qui sont grands comme ceci. Alors, ça peut paraître grand, parce que ça passe pas à l'écran, mais en fait, au final, franchement, ça doit être même pas 300 mailles sur les aiguilles, donc ça se fait vraiment rapidement, facilement. Moi, c'est un châle que j'ai énormément aimé tricoter, parce que voilà, et on alterne les sections. On alterne les sections de points différents, et on alterne les matières, donc c'est vraiment, ça combine tout, quoi, il est vraiment chouette. Et à porter, c'est pareil, voilà. Il y a du mohair, il est très grand, donc on fait pas mal de tours, hein, si je veux, je peux encore, hop, et puis venir coincer les pointes derrière, vous voyez. Moi, voilà, je fais 2 tours avec, et il y a encore des petits bouts qui pendouillent, je l'aime beaucoup. Donc, voilà, je vous dis, hein, moi, je ne fais pas trop attention à comment je porte mes châles. Si, quand je les prends en photo la première fois, je les mets bien, puis après, c'est fini. Mais voilà, on a ce petit bout-là qui vient se mettre devant. Il est aussi beau je trouve, sur l'avant, sur le devant, que sur l'endroit que sur l'arrière. Je le trouve vraiment très très beau. Et il a une bordure en I-cord. Attendez, je vais l'enlever, ce sera plus simple. Hop. Il est là. Hop, hop, hop. Une bordure en I-cord.
Donc elle est là, à la fin on termine par de la corde et puis on a de toute façon là tout le côté ici. Vous voyez ici là on a de... Voilà, tout, on a tout un côté du châle où c'est la corde. Et voilà pourquoi je pense que ce châle représente vraiment bien la raison de pourquoi j'aime tricoter des châles, c'est que on peut jouer sur tout en fait. On peut jouer sur les points, les matières, les couleurs. Ben, voilà, là ça reste des couleurs soft, hein, mais je trouve que voilà, on peut vraiment jouer à... Un châle nous laisse la liberté de faire ce qu'on veut en fait. Autant moi je me verrais loin. Je me verrais pas porter un pull avec une succession de points comme ça, clairement non, je le verrai pas. Mais sur un châle, bah oui, c'est tout à fait possible et c'est vraiment chouette quoi. C'est un châle, je trouve que c'est un pur bonheur à tricoter. Après, j'en porte énormément parce que j'aime beaucoup les porter aussi, heureusement. Mais à tricoter, il n'y a pas plus fun à tricoter qu'un châle quoi. C'est on ne s'ennuie pas. Globalement, normalement, dans un châle, on ne s'ennuie jamais et c'est ça que j'aime. C'est ça que j'aime beaucoup avec les châles. Hop. Celui-là, j'ai un peu plus de mal à le plier comme il faut. Je vais rester avec les châles de Nadia, de Nathalie. J'en avais tricoté un deuxième. Le Virgule Vint, ou toujours de Nathalie, un hein, de By Night. Ah oui, je ne vous ai pas dit les laines. Celui-là, je l'ai tricoté dans les laines de Tall Matin Yarns. Donc c'est sa base fingering en single et son mohair. Et c'est le coloris pêche. Je me souviens bien. Donc le modèle est disponible en français et en anglais. Il en est de même pour Virvine, disponible en français et en anglais sur le site de Nathalie ou sur son Ravelry. Et là, je l'ai tricoté avec ses laines à elle. Donc c'est dans sa base Comet, donc c'est la laine 100% corriédale. Donc voilà, c'est une race de mouton. Et c'est le coloris cachou cochenille. J'aime beaucoup la couleur. Elle est vraiment magnifique. Et donc là, c'est un châle qu'on commence par cette pointe-là. Et puis ça vient, voilà, hop, on augmente, on intègre ensuite une torsade ici. Hop, on vient faire le même point qu'au départ là. Hop, on intègre une deuxième torsade et on revient faire, hop, on revient faire ce joli point tourbillon. Voilà, c'est ça, c'est le point tourbillon. C'est comme ça qu'elle l'a appelé. Et on a des picots là sur la bordure. Bon, les miens, à force d'être portés, il est un peu raplapla. Mais Nathalie aime beaucoup les picots parce que ça aide beaucoup à... Après, pour le bloquer, c'est vachement pratique. Donc, on le commence comme ça. Et on a... donc ici, on a toute une partie qui là est sur l'envers. Mais sur de l'autre côté, c'est de l'endroit. Donc, c'est super chouette parce que ben voilà, on fait un rang envers, mais de l'autre côté, on sait qu'on a du rang en droit, donc ça va vraiment tout seul. Et on continue ainsi de suite. Et c'est comme le Leaf Me. Je vous avais dit le nom du Leaf Me. Bon, moi, je vous l'ai dit. Comme le châle précédent, donc le Leaf Me, à la fin, on n'a pas énormément de mailles en fait. Ça se fait tout, ça se fait vraiment très rapidement, très facilement. Il n'y a pas trop de mailles. Et là, je trouve que c'est la magie du travail à Nathalie. Elle nous a fait un truc, mais vraiment magnifique. C'est qu'on a. Ici, voilà, il y a vraiment l'explication pour former ce tournant là. Vous voyez, hop, pour faire là comme ça, elle nous explique bien pour que ça soit vraiment magnifique, que ça soit dans la continuité, c'est super beau. Puis ensuite, on vient finir avec voilà une bordure avec un peu de points tourbillons tout le long et toujours les picots. Bon, chez moi, ils sont tout raplapla mes picots, mais ils sont bien là. Et donc, c'est un châle que je porte aussi énormément. Bah, de toute façon, je porte mes châles tous les jours. J'ai un châle sur moi. Donc, ils tournent tous, hein, plus ou moins. Il y en a quand même plusieurs qui reviennent plus souvent que d'autres. Mais voilà. Et ce châle-là, bah, ce que j'aime beaucoup, je me monte un petit peu. Il se positionne, vous voyez, super bien. Et c'est comme le Pink Lemonade de Nadia. C'est que voilà, la pointe avec tout le motif à avoir, bah, il se met tout de suite en valeur. De lui-même et on voit que ça et c'est vraiment super beau quoi. Je l'aime beaucoup beaucoup, il est chaud, la laine est super agréable à porter, à tricoter, c'était vraiment un très chouette modèle, je vous le recommande. Que disponible en français, en anglais et puis voilà sa base Comet qui est disponible également sur son site. Et donc il se tricote avec deux échevaux et il a une super grande ampleur quoi. Vous voyez le truc, moi, il est hyper grand quoi, c'est super chouette. J'aime beaucoup. Plus c'est grand, mieux c'est moi. Plus je peux m'envelopper dans mon châle et mieux je me porte. Hop. On arrive à la fin, hein.
Ça va, j'en ai pas tant que ça. Vous avez toujours l'impression que j'en ai beaucoup, mais j'en ai pas tant que ça. Moi, personnellement, je trouve que j'en ai pas tant que ça. Mon dernier grand châle, après j'en ai encore un, mais c'est celui-là, c'est le dernier grand châle que j'ai. C'est le Fan Your Fade d'André Amaury, si je vous le prends à l'endroit. Voilà, ça serait mieux. Alors celui-là, je vous en ai déjà parlé parce que là, j'ai la pointe, j'ai une vraie pointe, et puis là, j'ai une fausse pointe qui devrait pas être là par manque de laine. On va en reparler tout de suite. Donc il se commence de ce côté-ci. Et puis on vient. Donc on a une arête centrale et on vient alterner des sections de points mousse et des sections avec plein de jetés comme ceci. Et puis on continue ainsi de suite. Et il y a un moment où. Ah oui, donc on continue, on continue, on continue, on continue. Il y a un moment où en fait on a. Je sais pas si vous allez le voir. Où ici la partie ici en fait elle diminue et la partie de ce côté-là s'agrandit. Je sais pas si je vous le mets comme ça. Vous voyez là? Oh, c'est toujours la plaie des grandes châles à montrer. Alors, comment je me fais? Là, vous voyez, on n'a plus que ça de ce côté-ci de l'arête centrale. On en est arrivé là. Alors que de l'autre côté, on a encore tout ça. Et là, j'ai manqué de laine en fait. Moi, je pensais pas. Voilà. C'est un problème sur ce châle-là, c'est qu'il est vraiment pensé pour la quantité de laine indiquée. Moi, là, déjà, là, j'ai 3 échevaux de laine complets. Donc, c'est quand même déjà conséquent, 3 échevaux de laine. Et en fait, il en faut 4. Il en faut, je pense, 3,5. Enfin, voilà, on pourrait voir 4 échevaux pour faire ce châle-là. Hein. Parce que moi, ici. Alors, je vais monter. Si je tiens là, il aurait fallu, en fait, faire autant de rangs qui permettaient de diminuer. Vous voyez, en fait, il aurait fallu la continuer à faire des rangs pour diminuer cette partie-là jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de ce côté-là. Alors, si je m'étais. Bon, j'espère que je suis assez claire. Hein. Voyez, cette partie-là, en fait, il aurait fallu continuer encore plusieurs rangs pour que, en fait, ici, on continue à diminuer, 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 ainsi que comme ça, cette pointe-là, elle aurait arrivé là, et en fait, dans la continuité du châle, et j'aurais pas eu le décrochage que j'ai actuellement. Mais. Quand je le porte, hop, ouais, il est vraiment très très grand. Je pense que c'est le châle le plus grand en longueur que j'ai. C'est celui-là vraiment, c'est celui qui est vraiment le plus grand. Quand je le porte, j'ai la pointe normale, celle qui est prévue pour être là. J'ai la pointe normale qui se met en place et on ne voit pas le problème de l'autre pointe disgracieuse. Ah oui, c'est ça en fait. Quand on arrive là, on commence à réduire d'un côté. Sans réduire de l'autre. Oh, je sais plus. Pourtant, ça fait qu'un an que je l'ai tricoté, mais bon. Donc voilà, quand je le porte, ça ne se voit pas ce problème de manque de laine. Donc, ma foi, c'est pas trop grave, tant pis. C'est un. Je sais plus, le patron, je crois qu'il est prévu pour être fait avec plusieurs couleurs. Parce qu'il me semble qu'on doit changer de couleur à chaque fois au niveau des zones avec les jetés, il me semble. En tout cas, moi, j'ai fait 3 échevaux. Oui, il me semble qu'on doit changer en fait dans les points mousse, on doit faire un. C'est là où on doit faire les changements de couleur dans les points mousse. Mais bon, moi je l'ai fait quand j'arrivais au bout de mes laines. Et j'ai utilisé donc de la Life in the Long Grass que j'avais racheté en déstock à Marguerite, donc Marielle Meunier. Et en fait, vous voyez ici, on fait quelques rayures pour passer de l'une à l'autre. Et en fait, elle avait voilà, 3 échevaux qui se fondaient super bien ensemble. Donc le rendu, il est vraiment sympa quoi. J'aime beaucoup. Mais voilà, j'ai juste ce problème là de pointe. Mais bon, voilà, ma foi, ça m'embête pas du tout. Ça m'empêche pas de le porter. Donc je le porte sans souci. Alors c'est un châle qui peut être long. Je sais qu'il y a des personnes qui l'ont trouvé long à tricoter. Moi, j'ai tellement aimé les couleurs que je sais pas, je l'ai trouvé super. Voilà. C'était vraiment pas un châle où on se prenait la tête. Je suis en train de le faire. Voilà. Voilà, c'est un châle vraiment simple à faire, on ne se prend pas la tête, il est facile, on comprend vite ce qu'on doit faire. Donc non, moi je l'avais trouvé vraiment très chouette à faire. Et je le porte également beaucoup parce que voilà, il est très grand, très enveloppant. Donc pour l'hiver, moi je trouve ça vraiment chouette. Donc c'est l'un des châles que je porte le plus également. Voilà. Hop! J'essaie de le plier comme il faut. Alors vous le voyez pas, non, vous le voyez pas. Je suis en train de faire une pile à côté de moi en espérant que ça ne tombe pas. Ce serait pas mal. Et le dernier châle que je vous présente, c'est le dernier que j'ai tricoté que je peux vous montrer. C'est le Tangerine Sky de Nadia Crétin-Léchaine. Oups. Encore une fois. Hop, hop, hop.
Donc voilà, c'est un châle qui se commence par ici. On fait une grande section tout en point mousse avec des rayures. Et ça se fait vraiment bah, facilement quand c'est du point mousse, ça se fait tout seul, c'est simple à faire. Ensuite, on a cette jolie dentelle que j'ai trouvé vraiment sympa à faire. Que voilà, c'est des diminutions, genre on diminue 3 mailles ensemble. Ou ben, ça n'a pas le même rythme, je trouve, que des. Je trouve que ça changeait comment dire ça? Des dentelles habituelles. Ça pas, voilà, ça avait pas le même rythme que d'habitude. J'aimais beaucoup. Et puis ça forme cette jolie vague là au-dessus, les jolies ondulations. Donc c'est vraiment chouette. Et ensuite, on repart donc sur une section de point mousse en rayure. Et on vient refaire la même dentelle, mais cette fois-ci deux fois. Et là, on échange, on intervertit les couleurs en fait pour optimiser le mieux les laines qu'on utilise en fait. Et on finit par une petite bordure avec des petits picots. Je vais essayer de vous montrer ça. Hop, hop, hop. Voilà. Donc là, c'est pareil. Alors, c'est un châle à deux échevaux, mais qui, voilà, pour deux échevaux, il a quand même une bonne ampleur, je trouve. Il est vraiment sympa. Et comme les autres que je vous ai montrés, souvent, quand il y a une bordure tout en dentelle, bah, c'est ceux qui se palassent le plus facilement. Voilà, on le met comme ça et on a. Hop! Et on a ici la dentelle, voilà, qui se place super bien et qui rend vraiment chouette. J'aime beaucoup. Et il va très bien avec mon Madoka. La couleur beige là, elle va super bien avec mon Madoka. Donc là, je l'ai tricoté avec des laines que j'avais dans mon stock. C'est de la Malabrigo Soc. Si je ne me dis pas de bêtises. Pour le beige, et c'est de la laine amourée pour le bleu. Mais alors là, les noms des coloris, de toute façon, même pour l'un ou l'autre, je ne les ai plus. Mais bon, comme je vous ai dit, c'est écrit dans mon Ravelry. Donc voilà. Et c'est celui que je portais aujourd'hui, mais j'ai un peu trop chaud de toute façon à la maison, donc je pense pas le remettre, mais c'était celui que je mettais aujourd'hui, que j'avais porté aujourd'hui. Voilà, on a fait le tour de tous mes châles. Hein. J'essaie de regarder, mais non, il n'y en a pas d'autres qui traînent ailleurs. Hein. Alors, on a fait le tour de tous mes châles que je porte beaucoup, que je continue à porter souvent, régulièrement. Voilà, c'est beaucoup de châles que vous connaissez hein, parce que globalement je tricote. Je me suis mise à vraiment tricoter beaucoup voilà, depuis 2 ans seulement. Donc en fait, finalement, peu de temps avant de commencer à faire des podcasts, tout ça. Donc c'est quand même beaucoup de modèles que vous connaissez, que vous avez déjà vus. Mais voilà, comme ça m'avait été demandé de revoir tous mes châles, vous avez quand même pu voir mes châles, mes premiers châles faits il y a déjà quand même bientôt 4 ou 5 ans. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura fait découvrir des nouveaux patrons. Voilà, je ressors des vieux patrons qui ont toujours le mérite d'être voilà, qui méritent d'être vus et d'être tricotés encore et toujours. Hein. Franchement, je n'ai rien à redire sur les. Tous les patrons, c'était vraiment des chouettes. Voilà, jusqu'à maintenant, j'ai jamais eu de soucis avec tous mes patrons de châle. C'est vraiment à chaque fois des patrons bien écrits. Ils sont toujours super agréables à tricoter et super intéressants à tricoter. Donc, je ne peux que vous les conseiller. Ça me fait voilà, une petite dizaine de châles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ça me fait 15 châles là que je porte assez régulièrement. Si on me demandait est-ce que je vais arrêter de tricoter des châles, la réponse est non. Non, je ne vais pas arrêter de tricoter des châles. Comme je vous l'ai dit, j'adore tricoter ça. Je trouve que ça permet aux designers de laisser libre cours à leur créativité et leur imagination en mettant voilà, plein de points ou des dentelles. Ben, voilà, tout plein de choses qu'on ne pourrait pas mettre sur un pull. Donc. À chaque châle est différent, c'est pas le même plaisir à tricoter, on apprend des nouvelles choses, on apprend beaucoup de techniques avec les châles aussi. Donc non, non, je continuerai forcément à tricoter des châles, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup en porter. Moi je trouve que je n'ai pas fait le tour de toutes les couleurs que j'aimerais avoir en châle. Ça me dérange pas du tout d'avoir des châles tricolores. De toute façon, d'ailleurs, j'ai pas énormément de châles unicolores. Moi ouais, souvent je pars sur au moins deux couleurs. Oh, j'en ai quand même quelques-uns. Voilà, ça me dérange pas. Aussi bien, j'aime avoir des châles d'une seule couleur parce que c'est vrai que c'est peut-être parfois plus facile à porter. Quoique, moi, je trouve pas. J'ai aucun mal à mettre mes châles avec deux ou trois couleurs. Franchement, je trouve qu'à chaque fois, ça est.
comme c'est un combo qui va très bien ensemble, j'arrive très bien à les porter avec mes vêtements, j'ai aucun souci avec ça. Moi, plus il y a de couleurs, moi je trouve ça plus c'est chouette, plus c'est grand, mieux c'est aussi. Donc non, non, j'ai prévu. Hein. De toute façon, si vous avez vu mes dernières vidéos, vous savez que j'ai plusieurs combos prévus pour des châles. J'espère les tricoter cette année, ça serait quand même bien. Voilà, je ne vais pas m'arrêter donc de tricoter des châles. Vous en verrez encore et toujours dans les épisodes à venir. Il n'y a pas de souci pour ça. Je vous continuerai à vous partager mes coups de cœur au niveau des patrons que je peux découvrir. Donc sur ce, je vais vous laisser. J'espère que donc cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce. N'hésitez pas à vous abonner également pour ne pas rater les prochaines vidéos qui seront présentes sur ma chaîne. En attendant, je vous souhaite un bon tricot et je vous dis à bientôt. Bye!